Saluer la fin d'une année et fêter les premiers instants de la nouvelle qui pointe son nez. L'heure se doit d'être à la bonne humeur, malgré les moments de terreur que certains ont voulu créer, car rien ne pourra arrêter la vie. C'est une raison supplémentaire pour que ce soir, nous soyons réunis sur cette place du Mont-Blanc, au cœur de notre village, habitants de Saint-Gervais, résidence secondaire, touristes de passage venus du monde entier, encadrés par les torches des moniteurs de ski de notre station. Bien sûr, cette année, la tradition des fêtes de fin d'année n'est pas tout à fait respectée, car il manque un peu de blanc. Mais la magie a quand même opéré grâce au travail acharné de tous les acteurs des pistes et des remontées mécaniques, des moniteurs de ski, qui ont montré leur très grand professionnalisme pour permettre au plus grand nombre de goûter aux joies de la neige. Mais la montagne, à côté du ski qui en est l'activité reine de l'hiver, c'est aussi une ambiance, la découverte de lieux et de nombreuses activités que ce terrain de jeu offre aux petits comme aux grands. C'est aussi le théâtre rêvé toute l'année pour accueillir de grandes manifestations sportives, comme au mois d'août prochain, le passage de l'Ultra Trail du Mont-Blanc ou le Grand Prix International Junior de patinage et le 22 juillet, l'arrivée de la 19e étape du Tour de France au Béthet. À quelques heures de cette nouvelle année, je forme le vœu qu'en 2016, chacun d'entre vous puisse participer à ces grands événements, à ces émotions partagées et plus simplement pour nos hôtes de passage, que vous sachiez prendre le temps de venir vous ressourcer le plus souvent possible dans nos montagnes, de mieux les découvrir avec nos guides ou simplement de les admirer. Ce sont ces valeurs simples que nous avons à cœur de vous faire partager. Notre responsabilité à tous, c'est de reconstruire un monde où les valeurs essentielles de la vie redeviendront le seul conducteur, où le plaisir d'un instant partagé avec ses proches ou en harmonie avec la nature sera plus important qu'une image téléchargée qui s'évanouit dans le nuage de l'oubli. Il nous appartient d'en être tous ces acteurs afin que demain, nous soyons capables d'apporter une autre réponse que la violence et le diktat face à une société usée dont les règles et les structures sont devenues inaptes à créer de l'espoir et du devenir. En ce moment de vœux, je souhaite également à chacun d'entre vous que cette année 2016 vous réserve le plus possible de satisfaction, des joies simples et partagées, de belles aventures, des rencontres étonnantes, pour qu'ainsi votre vie soit plus belle chaque jour. Et bonne année 2016, Happy New Year, buon anno! I'm not afraid to die.
est-ce que vous êtes là ?